Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit podcast, vlog, je ne sais pas, on l'appellera comme vous l'appellerez comme vous voudrez. En tout cas, je vous avais promis de vous parler de mes trouvailles de patron ado. J'ai fait plein de recherches, j'en ai trouvé. C'est pas si difficile à trouver, bien que ça dépend de ce qu'on cherche, bien évidemment. Moi, je cherche des habits plutôt simples, basiques, qui vont aller tous les jours pour l'habillement de tous les jours pour aller à l'école. Puisque dans les magasins, la taille de ma fille, c'est du XS. Elle met dans certains magasins et je trouve que c'est beaucoup trop ado, mais vraiment ado, presque adulte. Voilà, il y a des tenues que je réserve encore pour une tranche d'âge, pardon, supérieure à celle de ma fille. Voilà, il y a des choses où clairement, il manque encore il manque un peu de tissu sur le haut. Hein. Alors, ils font des tailles hautes en pantalon, mais du coup, ils ont mis du tissu pour le pantalon et ils ont enlevé du tissu sur les hauts. Alors, je suis pour l'instant chanceuse que mes filles veuillent bien mettre ce que je leur couds. Donc, j'ai mené mon enquête. Alors, on va commencer par les magazines. Alors, j'en ai un. Les autres, je vous mettrai des visuels. Hein, je vais me décaler. Je mettrai des visuels ici pour vous faire voir ce dont je parle. Donc, le premier, le plus connu, dont je vous parle depuis un petit moment dans mes vidéos que j'ai fait pour les vêtements de mes enfants, c'est le Maison Victor. Donc, la Maison Victor, ça taille jusqu'à 16 ans, largement. Voilà. Donc, les patrons enfants, alors après, il y a des modèles qui sont pas pour, qui sont pour bébés, mais les modèles enfants vont jusqu'aux 16 ans. Donc, ça, c'est hyper cool. Et en plus, dans les maisons vues. Dans la maison Victor, pardon, vous avez, voyez, par exemple, dans celui-ci, trois modèles. Et c'est toujours à peu près ça. Vous avez toujours deux, trois modèles. Donc, c'est bien. Et en plus, vous avez des modèles pour vous, adultes, et même pour papa. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas mal. Le magazine est au prix de, que je ne vous dise pas de bêtises, 9,95 €. Donc, on trouve son bonheur. Ensuite, on a un magazine qui s'appelle Be Trendy. Be Trendy, c'est un magazine spécial enfant. Donc, il n'y a que des modèles enfants et qui va jusqu'aux 14 ans. Ce qui est pas mal du tout. Donc, ça vous laisse quand même un choix pas mal. En Be Trendy, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait que je ne vous dise pas de bêtises? Le top Yara. Donc, on peut l'acheter. Vous pouvez les acheter soit le magazine qui coûte 6,95 €. Vous avez plein de modèles. Et vous avez aussi la possibilité de les acheter sur Made by Orange à l'unité. Voilà. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc, le PDF est à 3,95 €, ce qui n'est pas très cher, mais le magazine à 6,95 €. Donc, si vous avez plusieurs modèles qui vous plaisent dans le magazine, effectivement, c'est plus rentable de trouver le magazine que d'acheter PDF par PDF. Mais ça, c'est au choix de chacun. Et en magazine, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé où ça va jusqu'à 14 ans minimum. En général, ça s'arrête à 12. Alors, si vous avez des bons plans, voilà, où vous dites, ah ben non, t'as oublié un magazine, Anaïs, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. Je serais ravie de découvrir des magazines où il y a des patrons pour ados qui vont jusqu'aux 14 ans, 16 ans. Voilà. Je vous en remercie d'avance parce que j'en suis sûre que vous avez tout. Enfin, je sais que vous avez toujours plein d'infos, bah, des fois que j'ai pas, et ça, c'est vraiment super. Ensuite, on a les patrons pochettes et PDF. Alors, en marque indépendante française, il y a quand même, j'ai trouvé quand même des choses sympas. Donc, on a des patrons, Patron Moi Je Couds. Je vous mettrai ici les modèles que j'ai achetés chez Patron Moi Je Couds pour mes filles. Alors, dans cette marque de Patron Moi Je Couds, j'ai acheté un sweat. Je disais, et donc la pochette est à 14,90 € et le PDF est à 8 € et tous les patrons enfants vont jusqu'aux 16 ans. Donc c'est hyper cool et les modèles sont hyper sympas, à la mode, mais intemporels quand même. Vraiment, j'ai adoré
cette marque de patron que je connais depuis déjà quelques temps. Et franchement, les modèles ados sont vraiment très sympas. Il y a une autre marque aussi qui fait des patrons ados, c'est Super Bison. Les pochettes sont à 15,90 et le PDF à 9,90. Seul petit bémol, je dirais, c'est que ça s'arrête aux 12 ans. Voilà, donc c'est pré-ado, on va dire. Mais il y a des modèles hyper sympas chez Super Bison. Donc, si vous avez des enfants dont la taille rentre jusqu'aux 12 ans, n'hésitez pas. Franchement, ils ont vraiment. Je trouve qu'il y a des modèles très très sympas. Dernier marque indépendante que j'ai trouvée, c'est Petit Dom, bien sûr. J'ai le patron du maillot de bain Baya pour les filles que j'ai cousu l'année passée et que je vais recoudre cette année. Et il y a aussi, j'ai aussi un débardeur, je ne sais plus son nom, mais je vous mettrai les visuels des patrons dont je vous parle, que j'ai, donc que je connais. Et Petit Dom ne fait pas de patron pochette, ne fait que des patrons PDF et ils sont à 6,90 € le PDF. Ça va. En moyenne, voilà, on ne dépasse pas les 8 à 6, les 9 euros. Voilà, on ne dépasse pas trop les 9 euros pour les patrons PDF. C'est plutôt cool. J'ai trouvé une autre marque qui est hyper sympa, qui s'appelle Faderm Eifer. C'est un des patrons allemands où j'ai pris le Judging Chris. Alors, je crois pas que j'ai imprimé la devanture. Non. Pareil, je vais mettre une petite image là. Les PDF sont à 6,90 € et les pochettes sont à 11,90 €. Ce qui est bien, c'est que même si c'est écrit en allemand, vous avez le petit cahier technique qui est en français. Donc ça, c'est plutôt bien, hein, parce que moi, l'allemand, c'est pas ça. Par contre, sur les pièces de patron, c'est écrit, je crois que c'est écrit qu'en allemand. Je crois pas que c'est traduit. À voir, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est pareil, il y a plein, 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 plein de modèles pour enfants, pour hommes, pour femmes aussi. Donc, allez faire un petit tour sur ces sites. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos tous les sites dont je vous ai parlé, que ce soit les patrons indépendants, la Maison Victor, etc., etc., les magazines dont je vous ai parlé. Ensuite, donc, Faiden Heifer, je crois que ça se dit comme ça, ça va jusqu'aux 14 ans. Donc, plutôt bien. Plutôt bien. Ensuite, vous allez aussi pouvoir retrouver des patrons ados chez Burda, chez McCall, chez New Look. Voilà, tous ces genres de marques que tout le monde connaît. Vous pouvez trouver des patrons ados, des basiques. Comme je vous disais en début de vidéo, vous pouvez aussi retrouver donc le BeTrendy en version PDF que vous pouvez télécharger à l'unité sur Made by Orange à 3,95 € de PDF. Ou acheter le magazine à 6,95. Et mes dernières recherches m'ont mené à chercher des livres. Alors, qu'on soit clair, c'est pas comment dire, une revue de presse, puisque je n'ai pas les livres. Je n'ai pas tous les magazines dont je vous ai parlé, à part la Maison Victor BeTrendy, j'aurais pu l'acheter, mais je ne l'ai pas acheté parce que les patrons qui étaient à l'intérieur ne me plaisaient pas spécialement et j'en avais déjà acheté à l'unité. Donc c'est surtout cette vidéo, c'est surtout une liste non exhaustive de tout ce que j'ai pu trouver en patron ado. Comme je vous disais, je vous mettrai les liens dessous, comme ça vous aurez loisir d'aller naviguer d'un site à l'autre et voir ce qui peut vous tenter. Voilà, je ne vais pas vous sortir tous les bouquins que j'ai achetés sur Amazon. Voilà. En plus, j'en ai pas tous besoin et pour l'instant, voilà, je réfléchis encore. Donc le premier livre qui m'a l'air tout à fait intéressant, il s'appelle Couture pour jeunes ados. Il y a 15 patrons à l'intérieur, il est au prix de 16 euros et tous les modèles vont jusqu'aux 16 ans. Donc, 14 ans, pardon, 14 ans. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. On peut le feuilleter sur Amazon. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Il a l'air plutôt sympa. C'est des basiques, t-shirts, vestes, pulls, sweats. Enfin, voilà, des choses assez basiques pour les ados. Il y a aussi des choses pour filles. Il y a aussi un qui a l'air très très bien.
mais qui est du coup un peu, un peu moins portable, non, c'est pas du tout ça, un peu moins dans mon style, qui s'appelle Intemporel pour Mesdemoiselles, qui va du 10 au 16 ans et qui est au prix de 25 euros. Donc celui-ci, je dirais que c'est peut-être un petit peu moins ma came, quoique j'ai repéré quand même des petits modèles qui étaient hyper sympas à l'intérieur. Un troisième livre qui est Couture pour garçons, donc là c'est vraiment que pour les garçons, donc ça ne me concerne pas, j'ai que des filles, mais qui va du 6 au 16 ans et qui coûte 24,90 €. Petit visuel. Pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos où j'ai pu les trouver. Je ne vous cache pas que je les ai trouvés sur Amazon parce que j'ai cherché exclusivement sur Amazon. Donc, je vous mets les liens Amazon. À vous d'aller ou pas les commander sur Amazon ou aller feuilleter au moins. Voilà, sur Amazon, vous pouvez feuilleter les quelques premières pages et ça, c'est plutôt sympa. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est la garde-robe essentielle des filles qui va du 2 à jusqu'aux 12 ans, certes. Mais c'est la blogueuse Laissez Lucifer qui a fait ce petit bouquin. Et vous pouvez aussi aller sur son blog. Je crois qu'elle a un site. Je vous mettrai tout ça en bas. Donc elle a fait un petit livre avec donc plein de petites choses pour la garde-robe essentielle des filles. Voilà, de 12 ans, de 2 à 12 ans, pardon, à 24,90 €. Voilà. Bon, ben je crois que j'ai fait le tour de toutes mes trouvailles. Bien sûr, les patrons dont je vous ai parlé et j'en ai acheté. Donc, à part les livres, toutes les autres marques, j'ai quasiment un patron de chaque marque. Donc, je vous en reparlerai plus en détail quand je vous présenterai les cousettes de ces marques. Je peux déjà vous dire que ben, la Maison Victor s'est testée et approuvée. Bitrendy, où j'ai trouvé le top Yara. C'est approuvé aussi par mes filles. Patron, moi, j'ai pas encore testé le patron, mais franchement, je suis déjà fan. Supervision, pareil, j'ai pas encore testé, mais j'en ai déjà repéré un ou deux. Bon, alors le problème, c'est que là, je vais pas pouvoir faire pour mes deux filles, puisque ma grande fait mai du 14 ans. Et ça sera plutôt pour ma petite. Petit dôme, bon, bah, j'ai déjà testé, et les maillots de bain, franchement, j'ai kiffé. Faider Heifer, c'est. C'est adopté aussi puisque j'ai fait un jogging que je vous ferai voir prochainement. Il est top. Voilà. Et il me manque à tester bah, les livres. Il faut que, voilà. Il faut que j'achète. Alors, je pense que celui que j'achèterai, pardon, ce sera sûrement Couture pour jeunes ados. Et peut-être Intemporel pour mesdemoiselles parce qu'il y a quand même des petites tenues qui sortent un petit peu de l'ordinaire qui sont un peu moins, on va dire, conventionnel. Donc voilà, c'est les deux que je vais me laisser tenter peut-être de m'acheter dans un avenir proche. Mais j'ai déjà de quoi faire avec tous les petits achats que j'ai faits jusqu'à maintenant et ce dont je vous ai parlé dans mes vidéos précédentes sur le sujet je couds pour ma famille. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant et je verrai plus tard pour m'acheter ces fameux livres. Voilà, bon, si vous les avez vous et que vous les avez lus, que vous les avez en possession, donnez-moi votre avis en commentaire, je serais ravie de connaître votre avis. Et si vous avez d'autres bons plans, je suis preneuse. Sur ce, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut les filles!